Et salut à tous, c'est Tricool et on se retrouve pour la suite de la série Division 1, me voilà ou pas. Et donc on va commencer par les meilleurs packs que j'ai eu cette semaine. Voilà, ce sera donc comme la première fois, la première vidéo que j'ai faite, ce sera donc sous un fond musical, hein, pas de réaction. Mais voilà, on va quand même regarder rapidement l'équipe de la semaine avant. Assez rapidement, une équipe de la semaine sympathique quand même aussi avec Neymar. Hein. On a Neymar, voilà. Neymar 91 vitesse, 93 dribble, 83 tir, 80 passes. Oui, bon, en ce moment il remplace pas mal Messi qui est absent, un peu pour blessure, donc il fait du bien au Barça quand même. Voilà, mauvais pied 5 étoiles, geste technique 5 étoiles. Bon, c'est sûr que voilà, Neymar, hein, ça fait rêver. Diego Costa aussi qui est énorme, je sais pas s'il est pas devant Messi au niveau des buteurs de Liga BBVA. En tout cas, il est intéressant aussi là, il a franchi un cap, hein, Diego Costa. Il est arrivé à 83 vitesse, 81 dribble, 83 tirs. Il est vraiment intéressant, Diego Costa. Pas mal du tout, hein. L'Atlético Madrid qui fait un super début de saison, notamment grâce à lui. On a aussi Pedro León qui joue à Retafe. Bon, on va pas regarder tout le monde. Hein. Ah, si, on a quand même Rodriguez, James Rodriguez ou James, hein, comme vous voulez. Bah de Monaco, hein, qui a fait un match énorme, énorme, énorme contre Saint-Etienne. Hein, mais il a fait ce qu'on attendait de lui. Voilà, très intéressant. Tout au-dessus de stats principales, tout au-dessus de 80. Même 87 de dribble et 86 de passe, c'est pas mal. On a Rami Cabella aussi qui a sorti un gros match. C'est Francesco Totti qui est. Il le met où, l'ami offensif? Bah voilà, Totti aussi. Hein, toujours aussi bon, Totti. Surtout en tir, 80 tirs, même 90 passes aussi. Un dribble bas, 86 aussi. C'est assez costaud. Hein, bon, il manque de vitesse. Hein, mais sur ce FIFA, ça peut être intéressant. Vu que la vitesse compte un peu moins quand même. On a Maxwell. C'est qui ce joueur? Antonio Carlos, que je connais pas. Défenseur central. On a un défenseur central de West Ham, pardon. Néo-zélandais, c'est Reid, je connais pas non plus. Reiter, ah oui, ça je connais de Fulham. Et on a un gardien de Leverkusen, c'est Leno. Voilà, une équipe de semaine intéressante, hein, notamment Neymar. Et on a Mitroglou aussi, de l'Olympiakos, le Pirée. Et quelques. Ah bah oui, oula. Januzaj, hein, le Belge de Manchester United, qui a mis doublé, hein, qui a fait gagner Manchester, il fait que 64, c'est un peu étonnant. Enfin, c'est vrai qu'il est un peu inconnu au bataillon, mais bon. Avec cette, bien sûr, cette coupe du pigeon. Hein, je sais pas ce que c'est que ce bordel qu'il a sur la tête là, mais c'est assez étonnant. Voilà, plutôt trois joueurs que je connais pas spécialement, donc je vais pas non plus les citer. Hein. Allez, donc voici les packs que j'ai eu cette semaine. Et puis à la fin, je pense que je ferai. J'aurai sans doute un pack, vu que j'ai 7200 crédits, donc on s'ouvrira un pack à la fin pour le fun. Et puis voilà, c'est parti pour les packs. Just a dark evening.
Et voilà, c'en est terminé. Donc, bah voilà, quand même un grand joueur, un grand joueur. On a Weidenfeller, le gardien de Borussia Dortmund. C'est vraiment la grosse cote de la semaine. Hein. Ça nous fait du bien. C'est un joueur qui va me servir prochainement, sans doute pour une équipe Bundesliga. Hein. C'est même sûr, parce que là, on a déjà Shaqiri, on a Dante. Et je pense que bah, faudra que j'achète, faudra que j'investisse au niveau de la Bundesliga. Mais bon, faudra s'en faire une avec Weidenfeller, Dante et Shaqiri. C'est quand même pas mal. Et bah Gervinho aussi, c'est pas mal du tout non plus. Mais bon, Gervinho, il me servira un peu plus tard. Il arrive en Italie, donc là, une équipe italienne, là, j'ai pas encore trop d'Italiens. Et donc, bah voilà. Et on va attaquer le match. Hein, le match, bah, match pour le titre, en fait, parce que je suis déjà promu, en fait, en Division 5. J'ai réussi à l'avoir ce coup-ci. C'était un peu plus laborieux dans la vidéo précédente où je me suis juste maintenu. Et donc, bah là, on est toujours avec l'équipe brésilienne. Donc là, comme vous le voyez, il me reste plus qu'un match. Hein, 5-2-2 pour le bilan. Hein, correct. On va essayer d'aller chercher donc pas la victoire hein, de toute façon parce que là il nous reste deux points à prendre sur un match donc c'est une victoire bien sûr. Et si on fait ça on peut avoir 6000 crédits au lieu de 7800 donc autant prendre 1200 de plus. Ça fera pas de mal. Et bah c'est parti donc je crois que bah, j'ai toujours l'équipe sera oui ce sera l'équipe brésilienne parce que cette équipe là hein, j'ai fait le match juste avant, donc ils sont un peu moins en forme. Hein. Puis de toute façon, je préfère jouer avec l'équipe brésilienne. Donc toujours les mêmes joueurs, hein. Ça n'a pas changé. Ce qu'ils sont devenus. Non. Les culs sont verts, non, non. Pas. On n'a pas encore fait 10 matchs avec tout le monde. Hein. Je sais plus. Bah non, pas encore 10 matchs apparemment. On a combien à peu près? 9 matchs. Ah bah c'est bon, ils vont être fidèles bientôt. En tout cas, bah, c'est parti. On va compter sur Thiago Ribeiro, qui est vraiment énorme, il est vraiment impressionnant. Il me plante de ses buts. J'ai mis un but de fou là. Et ce sera pour une prochaine vidéo. Sans doute, j'ai mis pas mal de beaux buts. Je fais une petite vidéo avec des buts sympathiques. Bah, il m'a mis un but impressionnant. Ça fait un moment que j'avais pas mis un but comme ça. J'ai rien demandé. Il a fait juste sur B, hein, même pas tir intuitif. Il a fait une reprise de volée lucarne opposée. Enfin, une retournée lucarne opposée. Enfin, un truc. Vous verrez, c'est assez étonnant. Et on va lancer ce match pour le titre hein, avec cette équipe brésilienne. Et on va compter bien sûr sur Bernard, hein, c'est un génie. Ah, pas d'adversaire pour l'instant. Si Anderson qui est pas mal, hein. J'aime bien Anderson, mais milieu offensif là, je le mets. Bon, il est milieu central normalement, mais milieu offensif ça paye bien. Et c'est parti contre un adversaire 79 de notes. Hein. White Star, donc une équipe qui devrait être à peu près équivalente à la mienne, un peu au-dessus quand même. Hein, parce que c'est Sterling, je pense, là-bas à gauche. Berbatov. Le joueur de Tennessee, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, Sissoko au milieu. Bon, il y a du beau monde, hein, il y a du beau monde, ça va. Et c'est parti. Hein. On va se placer un peu encore défensif. Hein. Je joue toujours hein, assez défensif. Hein, parce que bon. Parce que voilà. Et Bernard qui tente une incursion. Mais non. Et Thiago Neves, est-ce qu'il peut récupérer? Non, oula, c'est un peu. Ah, c'est d'ailleurs hein, le joueur de Swansea, voilà. Ce sont des ailiers assez rapides, hein. Il va falloir se méfier. Allez, je chante une. Oh, c'est bien joué ça c'est bien joué. Ça va que Dante est là. Ça c'était bien joué. Oh là là! C'est un fiasco là. C'est bon, Elias qui peut trouver Williams. Avec Anderson qui va trouver Thiago Neves. Allez, on va essayer. Mais non! Ah si! Oh mais c'était pas ça ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Avec Sissoko. Non, Thiago Ribeiro, pardon, Sissoko, c'est pas dans mon équipe ça. Et il arrête d'Howard. Ah, mais il a Howard aussi lui, j'avais pas vu, mais tout le monde a Howard, c'est impressionnant. Elias qui récupère ce ballon avec Bernard. Oh là, il va être pris Bernard, non? Oh, Bernard, il s'en sort comment là? On va essayer de trouver Anderson qui part, mais Koscielny. Hein. Ah, Koscielny, ouais, ça serait un très bon défenseur, bien sûr. De BPL, hein. Ça fait du bien derrière. Nous on a Dante pour rivaliser. Et Bernard qui va trouver Elias, non, qui trouve personne. C'est un petit peu pâté. Enfin c'est pas terrible quoi le spectacle pour l'instant. Ça joue pas très bien. Ou bien coupé d'Anderson. Pour l'instant il y a beaucoup de récupération de balles. Ça s'exprime pas trop. Ah il s'est arrêté Anderson, il a coupé la course. Allez, balle pour Howard qui va dégager. Ouf, mais c'est mal dégagé, Williams. Il y a peut-être. Non, c'est mal contrôlé. La défense se récupère. Allez, Leandro Salino. Ah non, oui, d'accord. Ouh là, ça c'est très mauvais ça. Faut pas exagérer, les balles en l'air non plus. Bon, ça va pas passer tout le temps, ça serait un peu n'importe quoi. Surtout comme ça. Allez, Bernard. Bernard qui. Oh, le chantier. Ah, Salino, il est pas placé là. C'est bon, ça devrait être. Oh, contrôle de la poitrine de Berbatov. Ah oui, il est très bon
à ce niveau-là. Mais on a le ballon. Allez, on va essayer de calmer un peu, trouver Anderson, on va pas faire n'importe quoi. Oh là là. Oh, ça passe pour Anderson! Allez, on tente la frappe! Ah, et bah voilà, une première opportunité. Bien joué Anderson, bah techniquement Anderson il est vraiment énorme, hein, même. Enfin voilà, bon, il est connu pour ça, il fait de beaux gestes comme ça, et là il s'infiltre bien, il est puissant, c'est un joueur puissant Anderson. Et on le voit très bien là dans FIFA, hein, c'est bien foutu quand même, parce que c'est un peu ce qu'il y a en vrai. Et Anderson une nouvelle fois, la frappe d'Anderson, là-haut, oh, la barre d'Anderson Williams s'est placée, la volée, oh ah, j'ai fait tir intuitif ce coup-ci, il a tenté la reprise acrobatique, hein. Belle occasion, et Anderson là, bah ouais, comme je vous le disais, il est quand même sympa à jouer, hein. Très très puissant, il va très vite de l'avant. Bernard aussi, mais regardez, bon, l'épaule, oh là là, par contre là c'est limite, hein. Ah, Bernard, l'épaule c'est injouable, hein, bien sûr, bon, attends, c'est vraiment un petit gabarit, il est même plus petit que Valbuena, je pense, donc bon. C'est surtout en rapidité qui nous sert, Bernard. Allez, on va essayer de trouver là. Oh, je sais pas comment il peut faire une passe pareille, mais c'est Walker, tranquille, ouais, très bon latéral, Walker aussi là. Très rapide Walker, il doit faire au moins 90. Elias pour Williams, Maxwell trouver, allez Maxwell, faut trouver Anderson. Oh là là, il va être pris, il faudra du soutien là. On va trouver Maxwell qui a trouvé Williams. Allez, oh, c'est bien taclé, non, c'est bon, Williams qui va récupérer. Allez. Pour Leandro Salino, on va essayer de trouver Bernard. Oh là là, ah c'est bien, c'est bon, il a réussi à faire un bon contrôle. Allez Elias, c'est un peu laborieux tout ça. Ah, il trouve quelqu'un là-bas avec Thiago Neves. Limite hors jeu, on va essayer. On trouve deuxième là-bas, ouais. Alors, Thiago Ribeiro qui prend cette balle de la tête quand même, il est bon de la tête Ribeiro. Je sais pas comment il fait, mais pourtant. En même temps, bon, sur ce 14, on prend beaucoup de ballons de la tête. Hein. Donc bon, quand vous avez un joueur qui fait 90 de tête en attaquant, normalement. Vous avez presque un but par match. Hein. Parce que moi j'ai déjà Pazzini qui fait 84 de la tête. Il est vraiment impressionnant de la tête. Enfin voilà. Ce qui aurait été plus dur sur le 13. Thiago Ribeiro pour Bernard. Allez Bernard qui. Ah non, encore il s'est encore. Ils sont encore arrêtés, c'était Anderson. Bon là il y a hors-jeu. Mais de toute façon c'était contré. Bon, Bernard, toujours un peu de mal avec Bernard, ça dépend des matchs, des fois ça. Des fois il part à une vitesse folle, mais bon, c'est vrai que ça passe pas souvent avec Bernard, j'essaie des choses, mais bon c'est un peu tendu. Alors, bon, de toute façon il faut vraiment faire des passes, il faut s'appliquer, de toute façon. Pas tout de balancer devant, enfin bon, on peut balancer devant, des fois ça passe pas mal, mais bon, c'est quand même mieux de créer quelque chose. Hein. Voilà, avec une récupération de Bernard, il enroule pas mal, Bernard, il enroule pas mal, et ouais, oh, et c'est là, ouais, bien joué, Thiago Neves qui était là pour finir. Thiago Neves qui ouvre la marque 35e minute, bon, en même temps, on domine plutôt pas mal ce match hein, pour l'instant. Et Bernard, c'est vrai que j'ai fait quelques enroulés avec lui, c'est toujours intéressant, hein, et j'ai dû faire deux barres sur les enroulés des trucs sympas quand même de Bernard, qui quand il repique sur son pied gauche, c'est impressionnant. Autant les enroulés, ça a plus rien à voir avec l'année dernière. L'année dernière, je sais même pas si j'ai mis un but sur enroulé, tellement c'était. Enfin, de loin, pas devant le but, parce que sûr que devant le but, face au gardien, c'est autre chose. Mais à 20 mètres d'enroulé, c'est. Sur le 13, c'était un peu. C'était bon, c'était bien pourri. Et là, les enroulés, elles sont bien revenues. Bah là, normal, hein, c'est-à-dire que quand on enroule un ballon, bon, c'est pas des frappes toutes pourries comme il y avait sur le 13. Hein. Sur le 13, c'était un petit peu. C'est un peu bizarre d'ailleurs s'ils ont roulé, mais bon. Là c'est bien, ils ont remis comme ça doit être. Et même on voit au niveau de la frappe de balle, c'est bien foutu, quoi. Ça force le réalisme. Bernard qui va trouver, il y a peut-être hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là de Ribeiro qui est en position de frappe, la parade d'Howard. Il n'y a pas hors-jeu là, c'était limite. Hein. Et c'est bien démarqué là, Ribeiro. Enfin, Buffoy s'est bien démarqué. Le défenseur a fait un peu n'importe quoi surtout. Allez Maxwell sur ce corner on va trouver. Oh non, ce sera pour Ribeiro. Ribeiro pas mal, je voulais peut-être trouver Dante qui est très grand. Mais non. Et Howard qui a ce ballon, bah pour l'instant on est pas mal dans ce match du tout là, on est vraiment pas mal. Avec un Bernard là de plus en plus en évidence, c'est pas mal du tout. Hein. On va quand même. Allez Bernard qui récupère encore un ballon, mais il est énorme au niveau récupération. Ça c'est impressionnant par contre. Hein. Il est niveau récupération de balles, il me récupère un tas de ballons, c'est fou. Oh là, quelle occasion, une nouvelle parade d'Howard avec. C'était une tête de Thiago Neves, je crois. Et Anderson qui peut récupérer un ballon. C'est pas mal joué, mais c'est bon. Maintenant, ce qu'on va l'avoir avec Anderson pour Williams. Allez, Williams, il va trouver Anderson. Anderson, allez, on peut trouver Ribeiro. Non, il sait pas. Oh, c'est une erreur. Hop, oh, il y a faute. Je sais pas s'il doit y avoir coup franc, hein, je pense. C'était
Kelly. Ah ouais, il fait faute. Une erreur défensive quand même là. Ou au ralenti, là il avait la balle tranquille et ça lui passe. Ouais, mauvais contrôle et après bah, il fait faute. Hein. Ah ouais, bah la limite. Et bah voilà, c'est parti. Qui c'est qu'on a comme tireur? Et bah on a Thiago Neves pour OV, mais je vais tenter avec Bernard. Allez, c'est vrai qu'il avait, il avait une belle frappe. Bah, il est droitier Bernard en plus, mais comment se fait qu'il enroule si bien du pied gauche? Il a peut-être 5 en mauvais pied. Bon, il y a Dante qui arrivait dans le but. Bon, c'est pas grave, on va quand même tenter. On va quand même tenter une frappe de Bernard. Oh! Ah merde, j'ai trop décalé. J'ai mis un. J'étais pas statique donc. Ça l'a un peu enroulé. Ah dommage. Ça passe un peu à côté. Pourtant, c'est vrai que ça rentre bien mieux. Bien plus que dans le 13, les coups francs. Hein. C'est un peu plus facile. Hein. Parce que dans le 13, c'était assez rare de marquer sur le coup franc. Enfin, pour ma part, hein, je suis pas un grand tireur de coup franc. Et là, c'est vrai que de près, c'est un peu plus facile. Mais là, ça n'a pas rentré avec Bernard qui a quand même une belle frappe, Bernard. Hein. Et Bernard au ballon, allez, il met un appel derrière, un appel. Allez avec Leandro Salino qui est très rapide. Là. Salino, il est en position de centre, Salino. Oh, il est tout seul! Oh, la retournée! Mais il est fou, lui, Ribeiro. Voilà, enfin, il aurait pu mettre la tête, il aurait pu marquer tranquille, je crois, mais. Oh, j'ai fait tir intuitif encore une nouvelle fois et. Ah, mais Ribeiro, mais au niveau des. Oh là, ouais, fou, là, c'est la grosse domination. Oui, on l'a pas vu en face. Hein. Mais Ribeiro, vraiment, je sais pas, il m'impressionne vraiment au niveau des gestes acrobatiques, c'est impressionnant, il m'a mis de ses buts. Et là, encore une tentative de retourner acrobatique, il était trop près, et ça passe au-dessus. Pas mal, Ribeiro, qu'on va quand même conserver, en tout cas. Hein, parce que là, y a pas photo. Et Anderson avec une ouverture. Eh non, on perd le ballon, récupération de Sissoko. Bon, de toute façon, il va falloir aller chercher le deuxième but, là, parce que c'est pas le tout de faire des retournées et tout. Et bon, si on se fait surprendre. Si on se fait surprendre à la fin. Bah voilà, attention, Maxwell. C'est parti, voilà, Dante, voilà, bah voilà. Voilà, bon, bah ça c'est. Voilà. C'est ce que je disais. Hein. Puis Berbatov au milieu, voilà, c'est là-dessus qu'on compte sur lui. Mais là, Dante, il fait quoi là? Bah voilà, un tir, un but, hein, c'est souvent comme ça de toute façon. Puis là, bon, Maxwell qui s'est barré du marquage, on sait pas pourquoi. Voilà. Bah voilà, hein. Voilà, on se tire, hein. Bah, c'est comme ça, fallait mettre le deuxième but. Hein. Même 2-3 buts, hein, parce que là il y avait moyen, mais on l'a pas fait. Hein. Thiago Neves qui s'amuse, mais qui perd le ballon. Hein. Allez, faut se remettre dedans avec Bernard, la pression de Bernard. Oh, quelle pression il a. Il va vraiment très rapidement sur son vis-à-vis. C'est quand même un très bon joueur. Ça y est, regardez, ça y est, c'est parti. Avec Berbatov là. Et Dante, il faut peut-être se réveiller, non? Oh là là! Salino avec Bernard, allez Bernard, hein, pour accélérer là, il s'est jeté, bon là les gars, ça c'est faute, ça c'est n'importe quoi, bah oui, mais c'est pas sifflé, coup d'épaule dans le dos les gars, faut quand même pas déconner. Et Bernard, voilà, la pression Bernard, il est revanchard en tout cas, c'est très mal joué ça, oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Oh là, ça passe. Bernard, encore une fois. Impressionnant ce Bernard, quand même. Hein. On a gagné la touche en plus. Et ouais, il nous a fait gagner la touche là. Ah bah, on perd le ballon directement hein, sur la touche. Oh, l'ouverture là-bas! Oh là là. Mais pourquoi il monte comme ça? Et ben voilà, c'est super. Djetchirini. Je comprends pas pourquoi la défense monte comme ça. Là, c'est n'importe quoi. D'un seul coup les gars ils montent à fond, on sait pas pourquoi là, je joue pas leur jeu. Le mec fait une pichenette en avant là, bon déjà c'est très réaliste hein, ça, par contre ça faudrait qu'il me revoie ça rapidement parce que ça commence à être un peu agaçant et la défense se barre. Ah je comprends rien par contre. Défense se tire en avant, ça le fait tout le temps, du coup c'est pour ça que ça paye tant ces balles en l'air. Puis que c'est comme ça qu'on perd là. On perd 2-1 mais c'est un scandale là par contre. Hein. On l'a pas vu du match là, ça y est, il est toujours devant le but. Allez les gars, faut peut-être se réveiller un peu. Avec une balle pour Thiago Ribeiro. Thiago Neves, allez, fous-moi ça devant. Avec Ribeiro, il est vraiment bon de la tête Ribeiro. Ouais, mais ça c'est mal joué encore. Puis il joue mal là, oh là là. Enfin, je veux bien que je joue mal, mais alors il perd 2-1 là, dans ces circonstances, c'est une blague quand même. Allez Dante là, puis Dante là, il fait pas son broyeur là, c'est même plus un hors-jeu à ce niveau-là. Et la balle pour Salino. Ça, c'est de la balle. Allez, il est parti là!
C'est dommage, on n'a pas pu. Oula, je suis parti où? Ah, Thiago Neves avec Williams pour Elias. Pour Thiago Ribeiro. Ah, Ribeiro là. Putain, il nous aurait mis deuxième but là avant la mi-temps, mais non. Oh, le chantier. Mais là, je sais pas comment je peux perdre ce match là, c'est quand même une blague. Moi, je veux bien perdre, mais il y a des limites quand même. Allez. Mais. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ils font les appels, ils s'arrêtent là. On est en train de déjouer complètement. Avec Dante qui récupère du ballon, ça y est. Anderson. Bernard. Bernard au ballon. Bernard. Arrête. Williams. Et ben voilà, il a la balle. On fait pas grand chose là, on fait pas grand chose avec Bernard qui accélère le ballon. Allez, Ribeiro, oh, pas une solution. Allez, Elias qui va trouver. Mais non, pas du tout, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, mon gars. Thiago Ribeiro, allez, Bernard, allez, il est tout seul. C'est pas possible. Allez. Ah, ça y est, nous revient enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, bah là, quand ça veut pas, mais ça c'est. Allez, garçon, là! Oh non. Je suis passé en super offensif, là, personne n'est devant, là, mais les gars. Je sais pas ce que c'est que ce match d'un coup, là, mais. Putain, mais. Bernard, là, Bernard qui efface, Bernard, voilà, ça y est, Bernard et les autres, de toute façon. Allez, Ribeiro de la tête, là. Quoi, ça va où? Oh là là, c'est scandale, mais on est 82e minute là. Allez, Ribeiro là. Et là. Oh, c'est bon, ça c'était de la frappe ça. Bernard, ben voilà Bernard. Et ben voilà. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Allez, Marquinhos là qui va trouver. Oh non, non, il est hors jeu en plus, lui non? Même pas. Allez, Bernard. Allez, Bernard qui se met sur. Et on perd le ballon, on n'arrive même pas à passer un geste technique. Ça me saoule ça. Putain, je veux bien perdre, mais pas voilà, mais. Broie-le là! Y a des. Putain. Allez, Williams. Bernard. Et on perd tous les ballons. Il n'y a pas une solution, mec. On est combien? On est 8 sur le terrain? Maxwell. Thiago Neves, il a pas fait grand-chose. Hein. Mais Maxwell, tu veux faire l'appel, oui? Et Thiago Neves de tombe en son, c'est plié. Hein. On n'aura pas si, on n'aura pas là, le titre. Pff, voilà, bon, allez, tiens. L'autre a couvert là, mais c'est magnifique. Hein. Bien défendu. Et voilà. Oh, la parade, bien joué. Bien joué. Je pensais qu'il était lobé quand même. Allez, on va. Bah, c'est fini, et puis merde, hein. Ah, ouais, belle victoire, hein. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait un tir en deuxième période. Je sais pas ce qui s'est passé. Fallo, t'as fait 4 tirs, il y a 2, hein. Je suis à 12 tirs, les gars. Ça me saoule quand ça fait ça là, je fais la moitié des matchs c'est ça là, tu domines, tu prends une branle. Bon, c'est super ça, c'est pas ça par contre, c'est agaçant. Ouais, 12 000 crédits. Super. Promotion saison fut, c'est génial, on est premier en division 5, enfin bon. Ça aura pas été fantastique hein. Ouais, bah tirer Thiago Ribeiro ce coup-ci, il a pas été décisif hein. Je commence un peu à rager là, mais bon, ça fait plaisir. Hein. Allez, on va ouvrir un pack du coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert, parce que je fais même plus de d'achat-revente. Là, ça m'a un peu saoulé, c'est faire du crédit, tout. Bon, faut être des heures dessus pour pas grand-chose. Donc bon, je fais des matchs et puis c'est tout. On s'amuse tranquillement.
Oh, c'est Rio Ferdinand. Eh ben voilà un bon pack. Voilà un super joueur, Rio Ferdinand. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on... Non, on peut pas comparer, voir s'il vaut quelque chose. Son Ferdinand, je sens que je le gardais parce que je ferai ça dans une BPL prochainement. Avec... ouais, donc Ferdinand, qu'est-ce que j'ai d'autre en BPL? J'ai quoi? J'ai Mikel. Je sais pas si j'ai pas un joueur de Manchester aussi. Ah si, j'ai un attaquant de Manchester, mais c'est un argent, je crois. Machida, peut-être. Enfin, bon, bah Ferdinand, en tout cas, ça c'est excellent. Je sais pas combien il vaut, peut-être qu'il peut valoir un peu. Je sais pas si... Bon, je pense que je vais le garder de toute façon, Ferdinand. À voir, hein. Bon, à côté Foster, un gardien de West Brom Albion. On a Schneuli. Schneuli. Pas sûr que ça se prononce comme ça. Du FC Thun. Alors, un entraîneur d'Eredivisie, des Pays-Bas, Coman. Ouais, super. Et au Piola, puis le maillot de. Bon, ah, c'est un peu comme le maillot d'Anov 96, Glebdar extérieur. Et le maillot de Kuban Krasnodar. Hein. Bon, bah voilà, bah écoutez, voilà, on a eu Ferdinand, c'est déjà ça. Et bon, on va garder tranquillement tout ça. Je vais regarder rapidement si j'ai pas des joueurs de BPL. D'autres joueurs de BPL, bon, on peut pas ouvrir un autre pack malheureusement. C'est un peu la dèche. Est-ce que j'ai un des. Est-ce que je peux faire une petite BPL hein? Ah non, on va quand même remettre BPL d'abord. Ah oui! Ah, mais j'ai du monde en BPL quand même! Ah, bah c'est Carrick que j'ai de Manchester, oui, voilà. Puis, puis Jones aussi. Je crois que j'ai Macheda aussi. Ouais, Macheda. Ah oui, j'ai Anderson, il joue. Putain, j'ai pas mal de joueurs d'United quand même. Macheda, on pourra tester Macheda, pourquoi pas en attaque. Mais est-ce que j'ai mieux en attaque? Bah non. Pourquoi pas tester avec des joueurs qu'on a eu simplement dans les packs. Bah ouais, je peux me faire une équipe en achetant 2-3 joueurs, je peux faire une BPL tranquille, ouais. Bon, c'est pas mal. On se fera pour passer un autre dans la prochaine vidéo. Petite BPL. Petite BPL tranquille. Hein. Voilà. Et ben, bah voilà. On est premier en division 5, c'est pas mal, mais après, il fallait quand même faire un peu mieux pour cette vidéo. J'ai pas réussi à être décisif. Et ben donc, on se revoit à l'épisode 4 hein, pour la suite en division 5, en espérant qu'on puisse monter, au moins faire une belle saison. Allez, salut à tous et merci, et à la prochaine.